Les mecs, ça va ou quoi? En tout cas, pour ma part, ça va super bien. Comme d'habitude, ça ne bouge pas comme en cupla. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing d'une paire de Dunk. Même si j'avais dit que les Dunk, c'était fini pour moi. Mais là, je laisse une dernière chance à la Dunk. Je vais pas vous mentir, la paire est déjà vue. Et j'aime beaucoup trop les couleurs qu'il y a dessus. Maintenant, faut voir comment elle est au pied. Parce que moi, mon problème avec les Dunk, c'est vraiment quand je l'ai au pied. Donc, faut voir au pied, habillé et tout. Donc, on verra ça. C'est une paire qui est sortie le vendredi 5 novembre. Que moi-même, j'ai pas pu la cope parce que je me suis endormi. J'ai mis le réveil à 8h59 et vas-y, le réveil a sonné, je me suis réveillé par réflexe, j'ai appuyé sur le bouton arrêter, laisse tomber, je me suis réveillé après à 9h15, pile poil, à l'heure où s'arrêtait le truc. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Donc j'avais trop la haine. C'est une paire qui fait partie de la collection Toasty de Nike. En gros, c'est une collection eco-friendly. Je crois que dans ça, il y a plusieurs paires de Air Force. C'est trop. Pas bizarre, mais les coloris ne me plaisaient pas. En gros, moi qui étais amoureux de la Air Force, j'ai pris aucune Air Force. J'ai trompé la Air Force avec une petite paire de Dunk qui est ici. On peut voir déjà sur la box que le délire eco-friendly est vraiment poussé à fond. Et je trouve ça bien parce que la planète, il faut en prendre soin. On y habite, donc faut en prendre soin. Cette collection est dans la continuité de Nike qui vise à réduire leur empreinte carbone. Je ne me connais pas trop dans ces trucs-là, donc je ne vais pas pousser le truc à fond. Je sais que c'est une bonne chose. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on va passer à la paire. La paire, je l'ai déjà vue, comme je vous ai dit. Mais bon, je vais faire une présentation comme si je n'ai pas encore vu. Vous êtes prêts? Hop. Déjà là, on peut voir que le film plastique, je ne sais pas si c'est un plastique, mais le film, je ne sais pas comment on appelle ça. Il est pas dedans. Donc, le délire vraiment recyclé est vraiment poussé à fond, tu vois. Voici la paire. Oh my J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dessus. Franchement, elle est très très légère. Très très légère. Moi, à la base, je dis les Dunk. Moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment. Voilà, c'est ce niveau-là, tu vois. Mais là, on peut voir directement que là, c'est bombé. Même s'il y a le truc à l'intérieur, là, le truc en papier, qui fait grossir un peu ici, là. Mais je vois déjà que ça va me plaire. La paire est composée d'un tissu totalement matelassé, sauf ici là pour les lacets. Et je trouve ça cool en vrai, le rendu il est vraiment cool. Et la paire est super légère. On dirait un peu les matières des doudounes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu mou, mais je sais pas, j'arrive pas à décrire. En tout cas, la paire est super belle. Le mélange du marron beige vert là et le blanc, oh, est très efficace. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Hein. À l'intérieur, on retrouve une semelle vert fluo, c'est bizarre, avec l'inscription Toasty écrit à l'intérieur, qui est le nom de la collection, comme je vous ai dit. Avec où il y a la cheville là, c'est en, je sais pas comment dire, c'est doux. Je pense que ça va tenir chaud, c'est matière. Comment on appelle ça déjà? On dirait un peu un plaid. C'est doux comme un plaid, donc je pense que pour l'hiver, ça va être cool. Même si moi, les pieds, c'est pas trop l'endroit où j'ai le plus froid, mais c'est cool. Mais déjà, je viens de voir une petite. Hop, une petite trace de colle là, vous voyez ou pas? Oh, essayer de tirer dessus sans trop niquer la paire. Je sais pas si on voit. Ouais, on peut voir un peu. Pour l'instant, c'est cette des. Pour l'instant, c'est le. Pour l'instant, c'est le. Pour l'instant, c'est les seuls. Pour l'instant, c'est le seul. Seul. À la plage, si je ne vais pas, et pardon, si je vais pas là, ils vont parler, ils vont dire c'est inadmissible, et c'est inadmissible, oh, c'est inadmissible. Pour l'instant, c'est le seul défaut que je vois sur la paire. Et voilà, même la semelle, je crois qu'elle est recyclée. Hein, parce que quand il y a eu le petit pot dessus comme ça, j'ai remarqué que c'était vraiment les semelles recyclées de Nike. Où il y avait plusieurs coloris, vous voyez ou pas, le petit grain là. Je pense que la paire est vraiment tout en matière recyclée. Hein. Et là, c'est, je sais pas, je suis pas sûr. Mais vraiment, je suis prêt à parier que toute la paire est composée de matière recyclée. Du coup, j'ai un peu peur pour la pluie. Vu la matière, je pense qu'il faudra regarder le temps avant de sortir avec. Et voilà. Hein. Franchement, je suis agréablement surpris. Quand j'ai vu la paire, j'ai vu malheureusement c'était une dunk. Je me suis dit, oh, j'aime pas trop les dunks. Je sais pas trop si je vais la prendre. Pour ceux qui me suivent, vous savez que les dunks, c'est pas trop ce que j'aime. Mais là, quand j'ai vu le coloris, je me suis dit, c'est mort. Faut j'essaye au moins. Au moins, au pire, ça me plaît pas. Comme d'habitude, je renvoie. Mais là, il faut pas laisser ça passer. Fallait au moins, je tente de l'avoir en main, au pied, pour voir vraiment ce que ça fait. Et franchement, waouh. Wow. Très, très belle surprise. Très belle surprise.
J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. La vidéo va pas durer très longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire sur la paire. À part qu'elle est super belle. Niveau qualité, à part la petite trace de colle que j'ai trouvée ici, il n'y a rien de plus. Franchement, très propre. Ils ont fait du beau travail. Si vous aimez la paire comme moi, faites-vous plaisir parce qu'en revente, elle est pas trop chère. Je sais que ça dépend des revenus de chacun. Mais comparé aux autres paires à 400, 500 balles et tout, celle-là, tu peux la retrouver à partir de 180, 170 sur certains sites. Donc en vrai, elle est grave accessible. Faites-vous plaisir, les mecs. Dessus, il y a une étiquette écrit Made with at least 20% recycled content. Ok. Donc la paire est composée de 20% de matière recyclée. Il me semble que c'est ça. Si mon anglais est bon, il me semble que c'est ça. Alors, à l'intérieur, quoi ? Au moins 20% de ce produit au poids est fabriqué à partir de matières recyclées, de matériaux recyclés, ce qui réduit les déchets et notre empreinte carbone. Mon anglais est pas mal. Je suis content. Dernier petit tour sur le pied droit. Hop. Voilà. Hop. Dernière petite chose, il faut savoir que cette paire, c'est une paire pour les femmes. Mais comme j'ai dit, paire, femme, homme, je m'en fiche à partir du moment où j'aime bien la couleur et que ça me va. Moi, je m'en fous. Donc, prenez du 42. Je sais que pour les paires féminins, c'est mieux de prendre une demi-taille, voire une taille au-dessus. Mais moi, quand je prends une demi-taille au-dessus, c'est trop grand. Une taille au-dessus, n'en parlons même pas. Donc, j'ai pris du 42. Ça me faisait pas mal. C'était vraiment la taille parfaite. Donc, je pense que si vous faites du 43, admettons, de base, prenez du 43. Le matériau est tellement fin et tellement légère que elle va directement se faire à votre pied. Donc, les mecs, pour ceux qui veulent, allez-y. Il y a plein de sites qui la revendent. Pas trop cher. Faites-vous plaisir. Moi, je vous dis à tout de suite. Je vais essayer de faire un petit tone fit de qualité, un petit matching. Et vous me direz ce que vous pensez en commentaire. À tout de suite, les mecs. Bon les mecs, c'est la fin de la vidéo. Comme j'ai dit, j'ai essayé de faire un petit matching avec les couleurs de la paire. Donc du vert, du beige, du marron, les couleurs de la paire. En plus, c'est une tenue un peu automnale. Donc j'ai essayé de faire avec la saison. J'ai même essayé de faire un petit matching avec le derrière, vous voyez. J'ai fait un petit effort aujourd'hui, je suis sorti de mon confort. Et franchement, la paire, j'aime beaucoup. Très très confortable. Ni trop petite, ni trop grande. Une paire féminin, c'est cool. Donc prenez vos tailles comme je vous ai dit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la paire, de ma tenue. En ce moment, on sort un petit peu plus, donc dites-moi si vous kiffez ou pas. Si je devais noter, je donnerais franchement la note de 9 sur 10. Pourquoi pas 10 parce que je vais chipoter un petit peu. Sur mon pied droit, je vois tout le contour blanc de la paire, alors que sur le pied gauche, il y a un petit endroit où je vois pas. Et là, et visuellement, j'aime pas trop. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai un petit orteil qui est plus gros que l'autre orteil de l'autre pied. Mais comme j'ai dit, je chipote. Hein. Donc 9 sur 10, pour moi, c'est une très bonne note. Très, très belle paire. Pour l'automne, très bien. Ça correspond aux couleurs de l'automne. Donc voilà, je remercie la personne qui la cope pour moi parce que c'est cool. Si c'était moi, je ne l'aurais pas eu et que je dormais fort. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez dans la tenue de la paire, la note que vous mettriez à la paire. D'ici là, abonnez-vous, commentez, partagez. On se retrouve très, très bientôt.